quand on peut, au fur et à mesure, on va accélérer. Vas-y, fais. Hop là, on essaie d'empêcher de se faire toucher les épaules. Ça va être un peu dur, juste avec la hanche, je reste en garde de vitesse. Et boum. Alors forcez-vous à faire l'enchaînement. Et comme tu peux pas faire les jambes, donc on va trouver une technique. Qu'est-ce que tu peux faire par exemple? Tu pourrais faire ça. Et non, ça c'est bien, c'est une bonne idée. Mais sauf que c'est interdit de taper avec la main. Ça existe, hein, dans un autre sport. Mais là, dans ce sport-là, qu'est-ce que tu vas faire pour modifier? Tu vas faire 1, 2, et au bout de faire avec la jambe arrière, avec ce point-là, tu vas faire ça. Boum, ça s'appelle un crochet. La garde en face doit être bien hermétique, pas les coudes comme ça, d'accord? Pour protéger en bas, au niveau des cuisses, vous descendez. Hop, à notre carapace. Hop, et ça protège. Ça protège au niveau du ventre là et au niveau de la tête. Si vous êtes bien protégé. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est... on bloque bien, on bloque. De temps en temps, on bloque quand même. Hein. C'est où ça commence à piquer au niveau de la cuisse. Tu reviens, gauche, droite, et ici, la jambe gauche. Super, à toi, allez. Si je l'ai compris. Exactement. Go. Encore, 1, 2, 3. Très bien, encore. Allez, encore. À partir du moment où je mets ma garde, je peux faire taper là. Okay. J'ai ma garde. Très important, commencez même en limite, en ralenti, juste pour valider les appuis, la technique. Et dès qu'on a bien l'enchaînement, on accélère en mode rapide. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Le prochain, tu peux l'aider, s'il te plaît, parce que il écoute pas là. Là. Essayer de faire dans tous mes stages, essayer d'accueillir et de partager le maximum de personnes, quelles que soient les différences. Et voilà, je suis très content pour ce stage-là, Manu. Merci. Merci beaucoup. Merci. Super. Plaisir. Moi, je voulais te remercier parce que, comme tu le sais, ça fait un petit moment que je te saoule pour que tu viennes. Et bah, ça me fait super plaisir que tu sois venu pour que mes élèves et puis même les gens extérieurs puissent voir ce que c'est que du vrai pied point fait par un pro. Puis ça me fait plaisir également que les autres soient venus, parce que ça a mis une petite ambiance sympa.